intéressant, et après ça. Donc ok, là il va falloir que du coup on délimite cette zone là, ouais. Et cacher le petit machinou là. Mmh. Et puis c'est tout. Ouais. Ouais. Pas du tout. En tout, on en a gardé combien avec le verso vierge? On en avait prévu 6, il y en aurait peut-être que 5. Qu'est-ce qu'on fait pour les taches oranges? On garde. Il y a quoi comme nombre, tu sais, toi, Pierre-Marie, à peu près? D'accord. Bon, il en reste à la fin, on pourra revérifier. Et sinon, l'idée que j'avais. Remontre-le-moi. Ouais. Peut-être en centrale, quelque chose comme ça. Tu vois, une espèce de plot. Quasi lisible où t'as la main, l'arme à feu. Attends, ah ça, d'accord. Ok, ouais, c'est très beau ça. Et ça, ben, en très grossi. Donc il y aurait des planques très grossies, d'autres. Et sinon en fines bandes. Alors Pierre-Marie, son idée, c'était de prendre des bandes de différentes largeurs. Mais il faudrait qu'on aille moins dans le narratif. Il y a une BD qui se passe dans l'armée et il n'y a quasiment pas de. Quasiment pas d'armes. En fait, il faut l'imprimer de façon à ce qu'il sera à l'envers. Ouais. Il faut que quand tu tournes l'objet, ce soit à l'endroit ça. Donc ça, c'est des liens structurels. Donc on garde les structures, mais ici il ne faut pas oublier de retourner les figures quand même. Oui, mais il ne faut pas que ce soit trop figuratif. C'est important aussi de penser à ce détail. Le titre, on a vu ça sur l'autre maquette, il apparaît plutôt là. Je ne sais plus où on l'avait mis en haut. Bah, s'il y a un flou là. Sur l'autre, regarde, il est mis là. D'accord. Et là, Pierre-Marie voulait, en vectorisé aussi, il voulait le... Donc là, c'est les deux points américains. Ouais, c'est ça. Il voulait mettre les deux, là. Voilà. Et en B, il voulait une lunette. Vectorisée, on est d'accord. Ouais, la lunette, elle serait... Bon, là-dedans, on n'était pas trop satisfaits, mais on a gardé quand même parce qu'il y avait une lunette. Il voulait juste un regard, quelque chose comme ça, vraiment... Ah là, ici. Tu vois qui serait de l'autre côté, qui serait pendant. Et en fond, du coup, quelque chose de citatif de la couverture. Voilà, c'était l'idée. On se souvient qu'on a un gris, hein, c'est sûr. Ouais. Donc couche 2, plot. On parle là-dessus quand même. Sur des plots d'extraction. Pour que le sang ne coagule pas. Oui.
J'ai appelé ma famille en Roumanie, ma belle-sœur qui est aide-soignante. Elle m'a expliqué comment faire, car je ne m'étais jamais fait de piqûre. Maintenant, j'y arrive. Ça fait mal, mais j'y arrive en serrant les dents. Je préfère ne pas y penser, car ça me fait peur. Christian n'imaginait pas se retrouver dans une telle situation. Un contrat sur un chantier français, il pensait avoir touché le gros lot. On se trompe pas. Il a estimé le préjudice en termes d'impôts non payés à 12 millions d'euros. Atlanco devrait donc à l'État français plus de 23 millions d'euros. La France est loin d'être un cas isolé. Oh merde, c'est trop tard. Pour Atlanco, l'Europe est un formidable terrain de jeu. Au Pays-Bas, parce que j'ai appuyé un peu dans le Raimek a également fourni de la main-d'œuvre portugaise sur ce gigantesque chantier, la construction d'une autoroute près de Maastricht. La justice réclame 6 millions d'euros. Salaire et cotisations retraite non versés, congés non payés, impôts non perçus. C'est le feuillage, on l'a pas réutilisé comme idée, comme motif. Le feuillage. Et est-ce qu'on caviarderait aussi? On peut pas faire des petits boudins caviar? Ça va être un peu pâteau, quoi. Ouais. Donc, quoi que non, on se calme, quoi. Donc, ça a été utilisé. Donc, là, c'est encore forme couture et petit tapis ou petit ours. Celle-là, on l'a pas reprise non plus. Ah, cette forme-là? Ouais. Si, non, si, elle est là. Ah oui. Comme ça, où là ce serait en plein et ça arriverait en défonce. Non, c'est pas très beau. Je pense que à chaque fois qu'on a complété une forme pour la corriger, on n'a jamais pris des formes qui étaient déjà existantes. Qui étaient complètement différentes. On a toujours brodé autour de quelque chose qui. Qui n'existait pas par avance. Donc, moi je pense que tout à fait d'accord pour prendre la forme de Michel, plutôt que l'autre. Bah, oui, qui est déjà vachement utilisé sur la télévision. Tu l'as beaucoup utilisé. On cherche à mettre au point une variété de plantes adaptées au climat français pour développer une filière locale. De chercheurs veut obtenir la meilleure stevia possible en croisant les plantes les plus productives avec les plantes les plus sucrées. Vas-y, un bout carré. Du lundi au vendredi, de 14h à 15h sur Europe 1 et un podcast sur Europe 1. Où est-ce qu'ils vous livrent les bandes, comme on dit à l'ancienne? Ça peut être pas mal, ça. Vous avez, plutôt que de reprendre le traitement à la forme. C'est déjà un animateur et un producteur de grand talent. Il est en effet, ça c'est un fait, il n'était pas vivant depuis extrêmement longtemps. Il est leader devant Vendée. Ouais, c'est marrant aussi. Journée à Zio, leader de Vendée. Mais depuis la rentrée, c'est le cas, et même un petit peu avant, pendant les vacances au mois d'août. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a travaillé ensemble, finalement, puisqu'on a un dialogue. On peut peut-être pas mettre les deux. On a ça, travaillé aussi l'ensemble c'est de pas inintéressant, mais peut-être en rappelant le caviardage. Ce qu'on appelle un bloc de jeu, donc on l'a fait avec tout le monde à son mot à dire, avec Olivier Mine et Sidonie Bonnec, qui a déjà passé la barre du million de téléspectateurs depuis quelques semaines. Mais celle-là, elle pourrait apparaître plus dans elle est obligée d'apparaître en entier. À faire comprendre. Donc là, maintenant, on la voit partout dans les cartes, la de divertissement avec. Tu vois, regarde là, il y avait une tache. Ouais.
C'est pour la prise. C'est dégueulasse. Ça a bougé, c'est crado. On peut en faire en photo, Laurent. Pour le passage sépia sur les grands. Non, mais moi ça nous laisse une trace. Parce que celle-là, c'est celle qu'on a utilisée pour tous les passages sur les cartes. Ouais. Bon, l'extérieur, il peut être un peu différent. Comme référent. Ouais. Ok. Parce qu'il est pas sec, puis je suis hâte de le réhumecter. Faudra voir avec Agnès s'il n'y a pas moyen de choper là-haut un couvercle de Podemos. Tu crois que j'en ai ou tu me le rappelleras. Laisse-le sorti. Comme ça, j'y penserai. Thank you.
down, trickling down the rocks. The brakemen have to tip their hats and the railroad pulls are blind. There's a lake of stew and whiskey too. You can paddle all around them in a big canoe in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, the jails are made of tin. And you can walk right out again as soon as you are in. There ain't no short-handled shovels, no axes, saws, or picks. I'm a-going to stay where you sleep all day, where they hung the Turk that invented work in the big rock candy mountains. Ça va bien, hein? Ouais. Faudrait qu'on le repousse parce que...